Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message intemporel de ce 2 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Encore une fois, je vais me répéter, pour toutes celles et ceux qui vont prendre leurs vacances au mois d'août, je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes vacances. Et pour celles et ceux qui reviennent de vacances, eh bien, bon retour à la maison. Petite philosophie du matin, aujourd'hui, maîtriser ses émotions. Lorsqu'on maîtrise ses émotions, on marque un point important sur soi et sur les autres. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé action. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous êtes peut-être dans une transformation ou dans quelque chose de nouveau, voilà. Vous êtes sur le point, peut-être, de vivre une grande transformation. Celle de vous créer un mode de vie complètement différent de celui que vous avez actuellement. Eh bien, à partir de maintenant, vous souhaitez passer à l'action. Et ce, dans plusieurs domaines de votre vie. Vous n'en pouvez plus de toujours garder vos projets en phase de planification, c'est-à-dire dans vos pensées. Vous avez hâte de les mettre sur pied. Vous en avez assez d'avoir uniquement en tête ce que vous souhaitez vivre. Pour que passer à l'action devienne un mode de vie, il est temps de faire des pas pour avancer et d'enfin passer à l'étape, eh bien, de la réalisation. Puisque les trois outils de création sont la pensée, la parole et l'action, eh bien, cela veut dire que vous devez dès maintenant honorer l'action pour que votre apprentissage soit complet. Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais ce sont vos actions, n'est-ce pas, qui modèlent votre vie. Donc, que ça soit dans le milieu professionnel, familial, sentimental, amical, passez à l'action. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour y parvenir. Et le rituel de l'action, cesser d'attendre l'approbation des autres avant d'agir et arrêter de tout remettre à demain, faites-le dès maintenant. Il y a un dicton qui dit « ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». À bon entendeur, n'est-ce pas ? Déterminer un échéancier fixe pour votre projet et certainement le respecter, n'est-ce pas? Inscrivez une date à votre convenance dès aujourd'hui où vous voulez passer à l'action pour ce projet ou cette pensée. Cette créativité. Assurez-vous d'agir en toute simplicité et d'être clair sur l'intention, n'est-ce pas, de vos actions. Chaque fois que, eh bien, que vous entamez un projet, gardez toujours en tête la question suivante : quel sens cette action donne-t-elle à ma vie ? Et puis fixez-vous encore un échéancier et faites une liste des différentes étapes nécessaires pour réaliser votre projet. Et faites une étape à la fois, n'est-ce pas ? Un pas à la fois, un jour à la fois, et félicitez-vous à chacune d'elles avant de passer à la suivante. Même la plus petite action compte. Vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Vivre vos projets et ne pas rêver vos projets. Mettre en action
vos projets et ne pas rêver l'action. Vous avez vraiment tout sur votre établi pour passer à l'action. C'est juste que vous manquez peut-être de confiance en vous ou que il y a un élément où vous n'êtes pas certaine et que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse donner son point de vue. Eh bien, demandez à une personne et puis passez à l'action, n'est-ce pas? Waouh, quel beau message pour terminer eh bien, ce mois de juillet et puis ce début d'août, évidemment. Et pour terminer, pensée positive, je reconnais les besoins de mon ego. Oh là là, alors que je continue à grandir, hein, les besoins de mon ego restent présents. Bien oui, on nous a mis un ego. Ben, c'est pour faire face, n'est-ce pas? Je ne fais que diminuer leur importance. Ben oui, voilà, vous diminuez l'importance de votre ego. Moi, je dis qu'il faut toujours avoir un équilibre. Notre ego, il est là, donc on doit faire avec notre ego, mais il ne faut pas que ça soit notre ego qui prime sur nous. Parce qu'à ce moment-là, ben, c'est la catastrophe, quoi. C'est le chaos, c'est le cas de le dire. C'est le chaos quand l'ego prime et veut contrôler notre vie. C'est nous qui devons contrôler notre ego, n'est-ce pas? Mais nous devons faire avec. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, un joli, joli week-end. Moi, j'ai été ravie de passer ce mois avec ce bel oracle, hein, l'intuition et de l'action. Ça permet de faire un beau travail sur soi et de mettre des choses en lumière, des choses en nous qui sont dans l'ombre et puis voilà. Donc moi j'ai été vraiment ravie de passer ce mois avec ce magnifique oracle. Voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. Portez-vous bien, passez un bon moment avec votre famille, passez un joli week-end. Je me répète peut-être, je l'ai peut-être déjà dit. Donc voilà, on se retrouve tout prochainement. Et d'ici là, eh bien, moi je vous embrasse tout fort et je vous dis à très très vite.